Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalaï Ecom Warriors. Je vous fais une petite vidéo pour faire un petit coucou depuis la plage. Alors je suis dans le sud, je vous dirai pas où, je suis dans la Méditerranée. Et oui, j'habite dans un endroit qui me permet d'aller à la plage quand je veux, où je veux, comme je veux, hiver comme été. Et j'ai pas besoin d'aller outre-Atlantique ou d'aller dans n'importe quelle île, même si parfois j'y vais. Mais voilà. Donc je profite d'une petite course. Voilà. Bon, allez les bleus au passage, j'espère qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, qu'ils vont battre cette équipe des Red Devils. Et aller en finale et battre peut-être l'Angleterre ou la Croatie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Instagram TV, donc une application nouvelle qui est IGTV. Donc l'objectif d'IGTV, c'est de permettre aux influenceurs, aux marques, de créer du contenu de qualité. Donc du contenu de qualité, donc qui dit contenu de qualité, contenu de plus d'une minute, et de valoriser sa marque auprès d'une audience. Alors faut-il se lancer ou pas, ou est-ce un réseau de plus pour concurrencer YouTube? Alors je pense pas que Instagram TV c'est pour concurrencer YouTube. Alors certains, je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils sont là pour concurrencer Snapchat. Eh oui. Alors Facebook a toujours la rancœur. Je dis Facebook parce que c'est la société qui voulait racheter Snapchat et qui n'a pas réussi. Facebook voulait racheter Snapchat 1 milliard de dollars, puis 3 milliards. Maintenant, il faut savoir que la société de Snapchat est valorisée à 30 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Eh oui. Comme quoi Facebook a raté le coche, ou plutôt Snapchat a été très malin de ne pas vendre sa société, parce qu'aujourd'hui, depuis 2017, on peut faire de la publicité sur Snapchat et vous aussi. Donc est-ce que si vous êtes dropshipper, Instagram TV, ça vous concerne? Je dirais pourquoi pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque votre business va évoluer, vous pouvez être présent sur Instagram, bien sûr. Enfin, si vous ne l'êtes pas, vous devez l'être, mais vous devez évoluer votre business vers Instagram télé, tout simplement parce qu'il y a une audience. En fait, c'est très simple. Dans le business, c'est vrai qu'il ne faut pas s'étaler, mais comme en tant que dropshipper, on fait beaucoup de publicité sur Facebook, on fait appel à des influenceurs sur Instagram et parfois de la publicité sur Instagram également. Et parfois du gros fracking, bien sûr, parce qu'on est des warriors, on n'est pas là que pour payer la publicité et dire voilà, on a des winners, on gagne de l'argent, etc. Donc avoir du trafic gratuit, c'est super important pour toute société. Et donc, je pense que Instagram TV, si votre société est bien en place et que vous faites un petit peu de stock, parce que plus vous allez faire du contenu de qualité, plus vous devez vous attendre à des critiques ou quoi que ce soit. Donc, vous devez avoir du stock, vous devez maîtriser bien votre logistique, etc. etc. Donc, Instagram TV, si votre business en dropshipping, il est high level, ok. Sinon, laisse tomber, ça va être une perte de temps. Voilà. Nous, on est là, entre guillemets, on est là comme Alibaba et les 40 voleurs. On est là pour faire notre cash et partir à la mer, partir à vacances le plus vite possible avant que les clients nous rattrapent. Non, je déconne. Non, l'idée, c'est que Instagram TV, ça peut être intéressant pour qui? Pour les infopreneurs, les influenceurs. Ça peut être intéressant pour les marques, si vous avez une marque, parce que le business en dropshipping vous permet de vous lancer à moindre coût lorsqu'on réussit. Alors quand je dis en moindre coût, c'est de réussir assez rapidement, entre 3 et 6 mois. Et puis après, bien sûr, se lancer dans une marque, ça c'est le high level, les amis. Il faut créer votre marque et de vous lancer sur tous les canaux qui vous permettent de diffuser votre marque. Et Instagram TV, j'en suis convaincu, parce que sur Instagram TV, maintenant, on va pouvoir faire des vidéos entre 10 et 1 heure. Si votre marque est assez installée, vous allez pouvoir faire rapidement des vidéos sur 1 heure. Donc l'idée, c'est d'avoir un compte. Bien sûr, vous devez avoir un compte Instagram. Alors je vous montre un peu la mer. Bon, on va pas aller très loin là-bas, parce que plus on va s'avancer, plus il va y avoir du vent. Et en plus, je n'utilise pas de micro, donc juste du smartphone. Et voilà. Donc il faut diffuser votre marque partout où votre communication. Sachez une chose, que si vous le faites pas, d'autres le feront. Si vous le faites pas, d'autres le feront. Donc
il faut y aller, il faut bosser. Maintenant, Instagram télé, c'est nouveau, c'est comme Snapchat. Au début, personne ne voulait y aller, et moi le premier. Pourquoi je ne voulais pas aller sur, sur Snapchat? Tout simplement parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas mettre en place des liens. Voilà. Aujourd'hui, on peut mettre ce qu'on appelle des swipe up, voilà, qui permettent aux gens de coulisser vers le haut. Voilà, swipe qui veut dire balayer, et de placer vos liens. Et Instagram télé, je suis convaincu que ça va venir. Et ce qui va se passer, et ce que je suis le plus sûr, là où ça sera le plus intéressant pour les dropshippers, à long terme, ça sera la possibilité de mettre de la publicité. Vous croyez quoi? Vous croyez que ces réseaux sociaux, ils sont là juste pour diffuser les vidéos des gens et puis voilà? Non, 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 c'est pour faire des pubs. Donc quelque part, c'est pour concurrencer YouTube, mais en vérité, c'est pour tuer Snapchat. Voilà l'intérêt de Facebook et Instagram à se lancer dans IGTV. Donc IGTV, c'est une application que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou Google Drive, ou partout. Ça dépend quel mobile vous avez. Un petit peu la plage. Bon, mais là, je suis sûr qu'il va y avoir taquet devant, donc je suis désolé. Mais moi, je vous montre un petit paradis. Voilà, c'est un petit bled à côté de chez moi. Je vous dirai pas où, c'est top secret. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et je vous dis bonnes vacances, bonnes fêtes, amusez-vous bien. Et ciao, 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 boum!